peut-être l'air très petite comme ça, très, très, parce que le théâtre, c'est une sorte de vie sur des plages, mais de manière un peu petite. Mais si on, si on s'aventurie dans la zone où est natif, on s'aventurie, bon, on s'aventure, d'accord, dans la zone où est originaire Fidji. Commence justement là un débit, j'utiliserai ce terme, un débit de lamentation. Quand il dit bien lamentation, ça signifie que le rythme a commencé à traîner. Traîner, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? Parce que individuellement, les personnages se sont lamentés, ont fait des procès, n'est-ce pas, contre la société qui ne fait rien. Et ils sont revenus en conclave, c'est-à-dire ils sont venus encore en syndicat repleurer. Et l'épilogue est venu tripleurer. Certains parmi vous ont entendu parler de l'extraction d'une certaine molécule qu'on appelle l'adrénochrome. On l'extrait en faisant passer les enfants par des supplices que vous ne pouvez pas imaginer. On les fait souffrir. Voilà, voilà. Il sait de quoi je suis en train de parler. Et dans notre pays, vous savez que ça fait les choux gras de notre actualité et de la presse. Les problèmes de crimes rituels, notamment ici à Yaoundé, avec des corps qu'on trouvait partout, à Mimboman, etc., qui étaient mutilés, à qui on avait enlevé des organes sexuels, à qui on avait coupé la langue, etc., etc. C'est horrible. C'est abominable. Et l'œuvre pose justement la question, ben, de quel type d'humanité s'agit-il encore? Est-ce que nous avons perdu notre humanité? On a encore des questions à répondre et certainement, juste pour vous rassurer, l'autrice est encore là. Les débats peuvent se poursuivre juste après. Dans la date qui dit, on va vraiment essayer d'être dans les génériques, si tu permets. Donc déjà, Billy et puis Nadav Fidin. Nadav Fidin d'abord. Nadav Fidin, c'est une composition personnelle à partir des syllabes de mon vrai nom, Finanou Dadjeudi Hélène. Fina, donc vous avez déjà Fi et Na. Dadjeudi, vous avez Da et Nada. Le de Hélène, Nada 2, oui, Fidi et N de Hélène aussi. Donc c'est tout simplement une composition. Tout simplement pour montrer mon universalité, parce que mes noms sont des noms Massa. Wile, c'est toujours en Toubouré, c'est le chant des femmes dans ma communauté. Dans ma communauté, c'est ce chant que nous avons écouté tout à l'heure. Un chant uniquement destiné aux femmes. Parce que vous savez, dans la culture de chez nous, la culture africaine, les cultures africaines, la femme n'a pas beaucoup de droit à la parole en ce qui concerne les grandes décisions de la communauté. Mais il y a cette tribune-là, parce que le Wile, c'est ce chant qui est accordé comme tribune de liberté à la femme. Et là, elles disent tout leur ressenti, toute leur joie, toute leur peine, toute leur espérance aussi. Oui, je suis Nadal Fidin, je suis l'autrice du texte Wile qui a été lu tout à l'heure par Wile, qui est l'histoire de Maïdéra, du père de mon tragique, qui est parti à mon école, qui n'est jamais revenu. Et voilà, c'est dans ce cri de colère, ce cri d'exaspération de la mère qui est contre les armes, les disparitions d'enfants. Quand vous choisissez d'avancer, je ne sais pas où avancer, on va choisir. J'ai été agréablement surpris du choix de mon texte, puisque il y a
un appel à Karl, un texte qui est aussi possible pour la texte, et qui est très bien, mais je crois que c'est quelque chose que je suis ensuite heureuse, je suis très heureuse, je leur tirerai pour le chapeau parce que cela nous permet de nous comprendre. Vos faiblesses aussi, et peut-être nous améliorer les prochaines textes. Non, tout cela ne va pas se passer ainsi. Tout cela ne va pas être unilatéral. Pour reprendre des mots que tu adores à employer dans le paradigme sans doute de tes éléments de langage. Non, Melchior, les choses vont être bilatérales, comme les guerres, puisqu'il faut parler de guerre. Je ne l'invente pas. Je trouve le mot un peu fort. Mais les mots grandiloquents, je te l'accorde, cela aura été toujours un peu ta marque de fabrique, sans grande classe d'ailleurs. Tu vois, les mots, c'est vrai, viennent parfois assez vite à la bouche. Et employer à ton égard l'expression « sans grande classe », je ne pense pas que c'est quelque chose qui te fera particulièrement plaisir. Mais ce n'est que le début. En effet, mon corps est vidé. Je n'ai plus d'yeux, plus de regard, plus de corps. Cela maintenant doit se voir sans problème. Je pense que l'on voit à l'intérieur, donc on voit qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien. Plus de cerveau, plus de défense naturelle, plus de... Parfaitement. Que sont les gens pour toi, Dylan? Je préfère te le dire tout de suite quand tu me jettes. Oui, quand tu me jettes. Je tiens à ces quatre mots. Quand tu me jettes. Ouais, ça. Tu jettes aussi la longe qui est reliée à toi. N'approche pas. Je ne lâcherai rien sur eux. Rien, tu entends? Rien. Reste où tu es. Oui, la longe dans un monde merveilleux, le nôtre, nous allions... C'est pas documentaire, donc c'est pas une histoire qu'il a vraiment vécue. Comme tout le monde, on a tous été quittés ou quittés. Ça vient forcément de... Voilà. Et ici, vous avez ce qui s'est passé ce matin aussi avec toi. Le passage de la version papier à la version vivante sur une scène, quoi. Et si vous venez voir le spectacle ce soir, vous allez voir, je peux le dire en anglais, le jump qui existe entre le texte et la façon de l'interpréter, et spécialement la façon de l'interpréter par des acteurs du niveau de Stanislas Landais au Dragonnet, qui l'amène à un endroit qui est encore beaucoup plus loin que là où j'ai pu l'écrire. Non, très simplement, je pense que la réponse, elle est dans la représentation que vous verrez ce soir. Quand vous verrez Audrey Bonnet se tenir à la fois dans l'écoute, dans la réception de la douleur, etc., vous allez avoir la réponse. Elle n'est pas simplement littéraire, elle est j'écris du théâtre. Donc ça serait bon sur scène, n'est-ce pas? Là, dans une lecture comme ça, on peut avoir ce sentiment un peu de, oui, c'est ça, de formalisme. Mais je pense que lorsqu'on regarde la représentation, ça s'éloigne. Le théâtre tel qu'on le voit de façon majoritaire, c'est ce que je suis en train de dire. En tout cas, je remercie tout le monde de votre courage aussi, encore. Depuis 10h du matin, là, putain, faut vraiment aimer le théâtre. Bah, manifestement, et tu es une bonne, comment dire, relanceur de questions et d'organisation. Non, c'est vrai, c'est super. Bonjour, je m'appelle Pascal Rambert, je suis écrivain et metteur en scène de théâtre, je suis français. Et on est venu ici présenter Clôture de l'amour, l'une de mes pièces. À cette occasion, ici au Centre culturel français de Yaoundé, on a rencontré une association merveilleuse qui s'occupe de promouvoir des textes de théâtre ici au Cameroun. Et on a fait un échange entre des textes camerounais et donc un texte français. Je ne sais pas si on va revenir. Ici au Cameroun, mais ça a été un accueil, comme vous le savez, absolument toujours merveilleux quand on vient ici dans ce pays. Et peut-être il y aura d'autres projets. Généralement, j'aime beaucoup écrire des nouvelles pièces pour des acteurs dans des pays où je travaille à travers le monde. Et le Cameroun pourrait être tout à fait un endroit où je pourrais venir écrire pour des actrices et des acteurs camerounais. Non, je ne fais pas des spectacles de sujets. Moi, la façon que j'ai d'écrire, c'est que je viens dans un pays. Là, en l'occurrence, si je venais au Cameroun, je rencontrerais 50, 100 acteurs. Je parlerais avec eux de leur vie, d'où ils viennent, dans quel endroit du pays, qu'est-ce que faisaient leurs parents, ce qu'ils aiment dans la vie, etc. Et à partir de 5 ou 6 ou 10 personnes qui m'intéresseraient, à ce moment-là, j'écrirais une pièce en fonction de ce que j'ai entendu. Donc c'est vraiment une démarche tout à fait particulière que je fais à travers le monde entier et je pourrais tout à fait le faire ici parce que le pays est suffisamment riche
il y a suffisamment des tensions aux frontières, comme il y a beaucoup en Afrique, en Europe et aujourd'hui dans le Middle East, pour qu'à la fois on puisse raconter des choses où on a des récits personnels qui sont à la fois transformés ou bougés par la géopolitique qui nous entoure. Non, un mot de fin, peut-être que oui, la possibilité de revenir ici au Cameroun serait formidable pour travailler avec des artistes camerounais, ça c'est sûr. Ok, je suis Valérie Eboulé, régisseur de spectacles et coordonnateur de l'association Avant-Scène. Le projet Lecture Débat est né pour résoudre un problème qui était lié au texte. Il était difficile auparavant de rencontrer des pièces théâtrales camerounaises, africaines et de France, Canada et autres. Et pour résoudre ce problème, on a mis sur pied ce projet qui facilite déjà les créateurs à rencontrer les pièces de théâtre du Cameroun, de l'Afrique, de l'Europe, enfin, tous les textes écrits en langue française. Premier point. Deuxièmement, ce projet est né aussi pour résoudre un deuxième problème qui est lié à la rencontre. Il y a beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup de créateurs qui ont du mal à internationaliser leur travail. Et dans cette plateforme, ils ont la possibilité, si ils savaient qu'ils ont retrouvé un texte sur la plateforme Lecture Débat, Avant-Scène se charge de les mettre en contact avec l'auteur étranger, ce qui permet de créer le pont déjà pour des créateurs. Voilà, au début de ce projet, nous avons commencé déjà par des fonds propres. C'était un financement autonome pour la première édition Lecture Débat. Mais avec la deuxième édition, on a eu le soutien de l'Institut français qui a renouvelé cette année à la troisième édition. En ce qui concerne le bilan, vous pouvez constater le bilan. Au départ, on avait 10, 15 personnes. Aujourd'hui, nous comptons des centaines de personnes qui nous suivent. Partie de ce projet est né le pôle quartier des auteurs et des autistes internationaux. Donc le Cameroun fait partie du troisième pôle du comité international de lecture. Donc à partir de cette année, le Cameroun donnera son avis sur des prix. Le projet Lecture Débat, c'est pour susciter déjà non pas seulement l'intérêt des acteurs, mais aussi des profanes. Parce que notre métier, il faudrait qu'on montre aux gens que l'écriture, le théâtre, la musique, c'est aussi un métier comme l'armée, comme plusieurs autres métiers. C'est pour encourager les jeunes à aimer la lecture et aussi susciter aussi l'intérêt des éditeurs. Parce que ça fait un bon bout de temps, on n'édite plus des œuvres théâtrales. Je crois que petit à petit, on a des éditeurs qui assistent à la Lecture Débat. Je crois qu'ils trouveront des belles pièces qu'ils pourront éditer. Je crois que c'est l'un des points positifs.